Français souvent par contre-attaque. A suivre plus particulièrement le numéro 2 qui avait le ballon actuellement, c'est-à-dire Duncan. Arthur Duncan qui est le vétéran, 30 ans, et qui est un contre-attaquant redoutable et qui aura aussi la tâche de tenir Albert Gemrich qui aux yeux des Anglais est le danger de cette équipe strasbourgeoise. Et d'ailleurs,
qui est allé ramasser Dominique Dropsy. Manu Sebu. Specht. Navi. Mars. Miguel Perrou. Ah, j'ai cru qu'il retrouverait Mars là. Peut-être Mars était bien positionné sur l'aile. Surveiller le numéro 11, Higgins, qui paraît-il est un ailier qui va très très vite, très incisif, qui doit bien s'entendre avec Hutchinson, alors que Callaghan, qui est un peu le fer de lance de cette équipe, ne joue pas. Il a signé 4 jours trop tard à ce club d'Hibernian et n'est donc pas qualifié pour la Coupe UEFA. Bien, après 6 minutes de jeu, il n'a toujours pas eu d'occasion de but. Et le public ici s'impatiente un petit peu alors que c'est Marx qui attaque. C'est un arrière très offensif qui a donné à Tanter l'avant-centre. Toujours Marx qui continue à essayer de percer par le centre. Mais vous savez que dans le football moderne, c'est très difficile de percer par le centre. Donc au centre du terrain, on a mis un petit peu McLeod. Et que nous remarquons que ces Écossais sont ma foi très rapides, très vifs. Cela, on le savait. Ils pratiquent un football très athlétique. Et ils sont très forts sur les balles aériennes. Alors que sur l'aile gauche, là-bas, c'est Wagner. Vous savez, on bouge beaucoup dans l'attaque de Strasbourg. On ne veut pas dire que Wagner soit ailier droit, tenter avançant ou qu'un pichonnier gauche. Tout le monde est tantôt à droite, à gauche ou au centre. Et toujours Strasbourg à l'attaque, un tir de très loin de Jouve. Et le gardien de but, McDonald, a eu bien du mal à contrôler cette balle. Pour l'instant, on n'a pas vu tout à fait à l'œuvre cette équipe d'Édimbourg, si ce n'est deux tentatives, Higgins et Hutchinson. Vous verrez qu'on les verra peut-être souvent. Vous connaissez sans doute le résultat, si vous n'avez pas pris la précaution de vous réserver le suspense. Nous, bien entendu, nous vivons cette partie en direct, alors peut-être y aura-t-il de temps à autre un décalage entre ce que vous savez déjà et ce que nous pouvons prévoir. Mais nous, nous sommes là pendant le tour de la partie, à essayer de tirer des enseignements au fur et à mesure et de prévoir le score qui pourrait être celui de ce match aller de 16e de finale qui oppose Strasbourg à Hibernian d'Édimbourg. Un club d'Hibernian qui est un peu inconnu pour tout le monde, il faut le dire, on n'en possède pas beaucoup de renseignements. Si on en possède un quand même, après 14 matchs de championnat, la défense n'a encaissé que 5 buts. Alors ça, on sait qu'ils ont une défense très très serrée. Et attention à ce coup franc que vient de citer M. Cutty. Petit mur, on lobe et on cherchait Higgins, devancé heureusement par Zouf qui était là. Et là que Strasbourg augmente son rythme, qui prennent de vitesse ces Anglais qui ont l'air très mobiles d'ailleurs, et qui sont même surprenants, on les pensait un peu plus lourds, et britanniques pour tout dire, ce n'est pas tout à fait le cas. Les Écossais sont rapides, vont très vite et pratiquent un marquage très serré derrière. Marquage individuel très très serré. Alors attention, c'est Tanter qui était parti. Première occasion pratiquement pour Strasbourg, c'est de percer le Tanter. Joël Tanter qui est une des révélations de l'année d'ailleurs. Hutchinson. Remner, puis McLeod, qui a l'air d'être le meneur de jeu de cette équipe. Attention au centre de Remner. Hutchinson et Dropsy juste devant. Il y avait là Hutchinson et Campbell. Très bon tous les deux de la tête, ça nous le savons. Et Marx, encouragé par tout le public. Stewart avait dégagé, Duguay Perrou essaie de relancer par l'intermédiaire de Tanter. Du gauche Tanter, contré. Duguay Perrou tente aussi. Et dans un paquet de joueurs, le dégagement de Campbell, il y avait faute. Monsieur Cutty n'a pas été abusé. Campbell que M. Cutty a signalé immédiatement l'arbitre hongrois. Il va le tirer, j'ouvre,
Piasecki, sans doute Piasecki, la plus belle force de frappe du Racing Club de Strasbourg. Voilà Piasecki, le mur en bois, très bien placé et récupération par Domenech. Monsieur Wagner centre et arrêt tranquille de McDonald. Bien maintenant le match est un peu lancé, après 10 minutes de jeu. Vous constatez que comme nous l'avions prévu, les Écossais jouent surtout en contre. Et ils attaquent parfois, comme là en l'occurrence par McLeod. La plupart du temps en donnant des longues balles aériennes, car vous le savez, c'est la spécialité des Britanniques, le jeu de tête. Alors que les Strasbourgeois ont une bonne occasion sur ce coup franc situé à peu près à 20 mètres des buts gardé par McDonald. Mais Piasecki, j'allais dire Platini, a tiré dans le mur et effectivement, il n'a pas eu de problème donc pour les défenseurs écossais. Oui, ce jeu de tête est inquiétant devant, mais j'ai fait un peu la taille des défenseurs de Strasbourg. Marche 1m79, Specht 1m80, Domenech 1m70, on les connaît pas mal de temps, donc tout ceci quand même devrait plaider en faveur de Strasbourg qui devrait contenir cette supériorité théorique dans le jeu de tête des Britanniques. Voilà, le public n'apprécie pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que Hibernian joue à l'extérieur, alors ce sont toujours quelques secondes de gagner. C'est malheureux si on en est là. Oui, alors que la comédie est bien au point entre McDonald et Fleming. Voilà. L'arbitre devrait sévir. Effectivement, il est anormal qu'à 10 minutes de commencement de match, on assiste déjà à des scènes pareilles. Si elles sont excusables à 2-3 minutes de la fin, elles le sont beaucoup moins au début d'une rencontre. Gemrich. Domenech. Non, le voilà, Raymond Domenech. En réalité, c'était Novi qui s'était placé à gauche. Marx. Tanter. Et Fleming prêt en touche. Elle est athlétique, ce Fleming, très grand. Assez adroit dans tout ce qu'il fait pour l'instant, en tout cas. Du Guépérou, Marx. Centre sans doute de Marx. Eh non, la tête est britannique. Miguel Pérou avait récupéré et Gemrich fauché en pleine course. Ça mériterait un carton jaune. Ce que ne fait pas M. Cutty, il était près d'action. Donc voyons, regardez. Ah, c'est un tacle à la britannique aussi. C'est vrai qu'il y a une visite britannique. Hein. Attention Gemrich. À côté, mais apprécié par le public. En tout cas, tant que l'on se crée des actions, nous attendons de l'espoir à ce public alsacien venu en nombre pour assister peut-être à la naissance d'une grande carrière européenne. Le premier tour n'est jamais déterminant. Vous savez que Strasbourg avait battu, éliminé Elfsborg, donc c'est le premier tour. Alors qu'ici, la souffrance sur De Guépérou. Au fond numéro 8 de McLeod. Et voilà, carton jaune pour McLeod. Il faut dire que l'action de tout à l'heure a dû un peu déterminer l'arbitre à être plus sévère. Et c'est McLeod qui récolte le carton jaune. Donc un avertissement. Alors que Piasecki centre et rien. Et non, petit filet, on a cru un instant. Le public s'est levé. Comme à son habitude, s'était jeté sur ce ballon, venu de l'arrière. Regardez, nous revoyons l'action. Bien frappé, mais dans un angle très très difficile pour ne pas dire impossible. Il est gaucher, McDonald. Renner. Lance Hutchinson. Pris de vitesse par Spech. Voilà, on passe de l'étonne-bourgeoise à Domenech. Une santé sur Raymond Domenech, tout comme Jacky Novi d'ailleurs. Miguel Pérou. Tanter en position d'ailier gauche. Centre et trouve Raé. Piasecki.
Angel. Pour Marx. Marx a Gendrich à sa droite. Préfère tirer direct. Du droit, pas mal. C'est un bon tir. On peut toujours faire des suppositions après coup. Effectivement, Marx était à droite et pouvait glisser sur Gendrich, mais le tir était beau. Il aurait pu tromper McDonald. Le grand blond aux chaussettes vertes qui dégage actuellement. Aspech était bien monté sur cette balle. Duguay Pérou, Piazzetti, Tanter. Piazzetti. Et faute sur Piazzetti. Toujours le même d'ailleurs, Fleming. Piazzetti, l'arbitre en droit. Spilak sur le défait. Piazzetti, le balai défait pour Marx. Décidément très avancé. Loin de ses bases, il est vrai qu'il n'y a guère d'ailier gauche dans l'équipe hivernale. Et je ne pense pas que la balle soit sortie. Théoriquement, ça doit être une touche. En tout cas, très vite. Voilà, c'est ce que dit le juge de touche, monsieur Tatraille. Et cette fois-ci, c'est vraiment un corner. Concédé par Ray, numéro 10. Corner qui va tirer. Francis Piazzetti. Ah, demi-volée, c'était bon si Gendrich avait pu. Et reprise de Specht, décidément très très offensif. C'est pas mal tenté d'ailleurs. En tout cas, ce que les Strasbourgeois ont prouvé depuis le début de ce match, c'est qu'ils tentent tout, Jean Reynal. Il semble que chaque balle qui passe dans la surface est utilisée et utilisée très offensive. Oui, nous avons revu la reprise de Specht, deux peu à côté. Il est vrai qu'il y a beaucoup de monde en défense du côté des Écossais. Et contrairement à ce que nous a annoncé tout à l'heure journaliste écossais, c'est Fleming qui joue en défense centrale et Bremner au milieu du terrain. Et curieux de constater que Bremner ressemble un peu au vieux Lyon Bremner, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec lui. Mais Fleming est très grand lui, donc c'est normal qu'il soit en défense centrale. Mais vous remarquerez que chaque fois qu'un défenseur strasbourgeois monte à l'attaque, eh bien, que ce soit Hutchinson ou Campbell, bien sûr c'est son rôle, ou Wiggins, se replie, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde en défense. Il y a pratiquement un double rideau, il y a un milieu de terrain à 4 hommes, il y a la défense derrière qui veille au grain, qui fait un marquage individuel très très serré d'ailleurs, si les caméras vont vers cette défense sur une action de jeu, vous le verrez, les joueurs sont vraiment très très gardés, les attaquants strasbourgeois. Piazzetti ici, qui a trouvé un dos au passage, qui avait essayé de lancer Specht. Corner pour Strasbourg, le quatrième, alors que nous jouons la 18e minute de jeu, 0-0 bien sûr ici à la Méno. Balle très brossée et au-dessus, derrière carrément. Et Gendrich prouve vraiment qu'il a les deux pieds car lui qui était lié gauche, il tire du droit. Il est arrêté de droit, c'est mal travaillé qu'on en voit de plus en plus d'ailleurs dans le championnat français maintenant et on voit depuis peut-être Dragan Jazzy qui a fait école. D'Alep aussi, les tirs ainsi. Beaucoup de joueurs opérant en France se sont mis ce genre de corner très dangereux pour la défense qui prennent souvent les gardiens dépourvus. Specht, très très haut, très belle détente. L'arbitre a laissé jouer et il continue d'ailleurs. C'est Rae qui a lancé là-bas à Bremner. Bremner cherche Higgins, le trouve mais en jeu. Daubert, le juge de touche qui est en face, avait signalé ce hors-jeu au départ. Dropsy, il a eu pratiquement rien à faire pour l'instant, si ce n'est à l'arrêt aérien, devant Higgins. Des équipes, on rase l'arbitre de Fontenbenec, presque surpris. On va pouvoir peut-être déborder, non, on préfère passer par l'intérieur. Pour des Wagner, très joli au travail qu'avait fait Wagner ici. Attention à Tanter, laissez la du pied. À tout le monde, c'est le but de Gendrich. Très beau travail de Tanter, 20e minute de jeu. Et Strasbourg ouvre la marque ici à la maison. Très bonne action, regardez-la. Tanter, donnez du pied droit, de l'extérieur du pied droit. Regardez, c'est bien joué, la balle avait fait. McDonald repousse et Gendrich survient. Juste au moment où il faut, à la Méno donc 1-0 pour Strasbourg à la 20e minute de jeu, but à faire Gendrich. C'est bien parti.
parti pour les Strasbourgeois. Cela va peut-être découvrir un peu les Écossais. Pierre, ce but de Gambrich à la 19e, 20e minute de jeu. Eh bien, les défenseurs strasbourgeois ont pratiqué le hors-jeu. Sur un dégagement du gardien, ils sont tous montés. Et il y avait 5 joueurs écossais hors-jeu. C'est d'ailleurs une des tactiques employées face à ces Anglais, effectivement, qui laissent deux avant. Alors que Marx, ici, se retrouve en position dernier droit. Centre, Pierre qui ne peut rien. Gambrich va peut-être récupérer. C'est fait. Cocher. Et corner, indique l'arbitre, qui n'accorde donc pas le coup franc que le public espérait. Mais quelle différence y a-t-il? Je vous le demande, il y a simplement quelques mètres le long de la ligne de sortie. Et Gambrich, du pied droit, balle sans doute très travaillée. Voilà, demi-volée renvoyé par MacLeod. McDonald au pied, mais très bien vu de la part du gardien d'Hibernian. En tout cas, ça chauffe sur le but des Écossais. La terre peste qui a failli sauter plus haut que le gardien. On peut reprendre encore, attention à Tempère. Wagner, un paquet de joueurs devant lui. Gambrich à sa gauche. Décidément, là ça chauffe à Strasbourg. Le public le sort, corner à nouveau, et le match vraiment est lancé. Digne cette fois-ci d'une rencontre de coupe européenne. Et Gambrich. Voilà, plus haut cette fois-ci, enchanté, allez, les gars, c'est pratiquement battu. Mais quel bon réflexe, il était en déséquilibre arrière. McDonald, c'est très bien ce qu'il fait jusqu'à maintenant le gardien d'Hibernian. Vraiment sur le but, il ne pouvait absolument rien. Mais si Strasbourg continue son pressing, la folie aussi, c'est britannique. C'était Wagner qui avait réussi un contre, qui a failli être favorable. Campbell. Et qui continue alors que Tempère est à sa droite, amené passé par Wagner, et corner pour changer à droite cette fois-ci. Ah, je veux dire qu'on ne peut pas parler d'affolement à proprement dit dans la défense d'Hibernian, mais en tout cas les actions de Strasbourg sont soutenues et Hibernian a du mal à faire front. Sur ce corner, en retrait, les lignes à repousser. Tempère est revenu rechercher ce ballon. Dans le Guépérou, et Gambrich n'a pas pu. Sur son pied droit. Alors que Smith se donne pour McDonald. J'envoie la balle pour Bremner. McDonald. Tout ça au petit trou pour ne pas dire au ralenti. Un long dégagement. Devinez pour qui? Pour Higgins, bien entendu, puisqu'il n'y a que lui. Et Hutchinson en position avancée. Alors là, sur ce genre d'action, par contre, les trois du milieu de terrain vont. Les 5 et 4 membres en défense. MacLeod. Et c'est Gambrich qui devrait hériter ce ballon. Non, en réalité, Ray a pu en profiter. On relance là-bas encore pour Higgins. Prise avec Domenech. Vaincu par ce même Domenech qui obtient un coup franc dans cette action. De tirer les coups francs dans le cas d'Hibernian. Monsieur Smith au coup franc.
Longue balle, très longue balle. Et les attaquants mis en jeu par la montée soudaine de la défense strasbourgeoise. Et toujours cette tactique. Là, il y avait Breitner qui était en jeu, Tinson aussi. La tactique des Strasbourgeois qui savent que les Écossais jouent par de longues balles à l'avant. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut s'avancer pour mettre les attaquants en jeu. Mais c'est aussi quelquefois une arme double tranchant. À l'occurrence, l'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Enfin, pour l'instant, c'est une arme payante et c'est toujours Marx qui attaque. Qui a trouvé Jouve. Qui a cherché là-bas Gemrich. Il a trouvé un centre légèrement raté en déséquilibre. Gemrich sur cette action. Et Hutchinson. L'avant-centre, moins de ses bases, mais tente à récupérer. Mais en tente avec Kazeki. Ce n'est pas grave, cela peut arriver. Surtout de très près. Le ballon est peu appuyé. Voilà. Et Smith carrément pour McDonald. Fleming McDonald. Attention, ça avec Higgins, ça peut être dangereux. Il va très vite, Higgins. Spech avait été battu au rebond. Ce qui avait fait...